Ah là là, madame l'assistante sociale, quelle histoire! Je reçois des lettres anonymes depuis un certain temps avec des choses très très vilaines dedans. Ça me fait bobo dans mon cœur de monstre gentil. Ah bah effectivement, c'est pas très gentil quand même, hein. Oui, monsieur Mulder, parlez-moi un peu de ces problèmes d'extraterrestres là. Mais tu poses un peu trop beaucoup de questions, madame, là, hein? C'est normal, c'est son métier, Mulder. Te mêle pas de ça, Tata Scully. En fait, c'est à cause de mon Facebook. Il y avait beaucoup de photos de moi avec mes gentils petits fans. Et on dit des choses très méchantes. Mais c'est normal pour l'ami des enfants d'être ami avec des enfants, non? Il a refusé de prendre son traitement ce matin. Voilà. Écoutez, je suis un monstre gentil. Les monstres gentils, c'est très câlin. À l'époque sur mon île, ça se passait déjà comme ça. Tout le monde était très content. J'entends bien, mais je viens de lire une lettre où l'on utilise le terme tripoter quand même. Tripoter? Mais donc voyons, c'était des gros câlins. Des gros câlins tout doux. Anne-Alice terminée. Résultat négatif. C'est bon, elle est des nôtres. Désolée, madame, mais on n'est jamais trop prudent. Tu me rends mon stylo bic? Oui. Merci, Tata Scully. Je ne suis pas ta tata, arrête avec ça. D'accord, Tata Scully? Quoi? Si jamais je me fais enlever par des aliens, promets-moi de... Qu'est-ce que vous avez sur vos lunettes, là? T'es en train de me filmer, salope! Non, sur ta lunette! Mais arrêtez, là, lâchez-moi ces lunettes! Ne clique pas! Ne t'abonne pas! Oh, il a cliqué! Il a cliqué, mais t'es malade! T'es foutu! T'es pisté, maintenant! Ils vont te remplacer par un robot alien!